Avec sa centaine de chalutiers, la Cotinière est aujourd'hui le premier port de pêche de Charente-Maritime. Mais jusqu'au XIXe siècle, ce n'était qu'un petit havre naturel, d'aspect fort modeste, avec une flottille d'une dizaine de chaloupes seulement. Car contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, les Oléronais ne sont pas historiquement un peuple de marins. Mais ils ont su tirer profit de l'océan sans avoir à s'y aventurer. La pêche à pied est ici une institution, un savoir-faire, un art de vivre. Voilà, voilà. On peut voir déjà quelques petits plateaux d'huîtres. Hein. Ça, c'est de l'huître naturelle, hein, qui pousse maintenant ici, un petit peu partout sur les estrants rocheux. Et donc, on peut déguster comme ça en passant. Ça fait partie des petits plaisirs du pêcheur à pied. Le problème, c'est qu'on ne peut pas trop les décrocher, donc il faut les manger sur place. Le plateau, c'est carrément l'estran, quoi. Voilà. C'est le rocher. Il faut se déplacer jusqu'au plateau. Wow. Et voilà, une belle huître. Hein. Elle est assez bien remplie. Jusqu'au 19e siècle, donc ce qu'on appelle l'invention de l'ostréiculture moderne, c'est-à-dire l'élevage, les huîtres qu'on consommait, on venait les chercher ici. Voilà, huîtres et toutes sortes de coquillages étaient sur l'estran. C'est vrai que sur l'Héron, on n'a jamais eu de famine. C'est un caractéristique de l'île de l'Héron, parce qu'il y avait toujours de quoi manger sur l'estran. On voit qu'elle n'est pas affinée, là. Il y a toute l'énergie, toute l'iode hein, de l'océan qui y est. Voilà. Super bon. Côté sauvage, mais c'est très bon, ouais. L'histoire de Jean-Baptiste, c'est celle d'un coup de cœur. Après son enfance passée sur l'île, il est parti travailler et vivre dans la Vienne, puis dans le Vercors. En 2002, il ressent le besoin de revenir ici, comme pour retrouver un amour de jeunesse. Il participe alors à la création d'une association, IOD, Île d'Oléron Développement Durable et Environnement. Objectif, mettre en place sur le terrain des outils pour préserver cet environnement. Exemple avec ses réglettes qui permettent de savoir si le coquillage pêché fait la taille minimum. Si le coquillage n'arrive pas à toucher les deux côtés du trou, c'est que le coquillage est trop petit. Donc là, en l'occurrence, il est trop petit. Donc ça, ces réglettes, vous les avez distribuées dans les campings, l'été, enfin à plein de gens. Oui. Et résultat, vous éduquez les gens avec ça, tu vois la différence. Ah oui, on voit quand même un gros changement. Bon, il a fallu plus de 10 ans quand même, parce qu'on a commencé en 2004-2005. Et puis là, quand même, on aperçoit vraiment des améliorations sur beaucoup de domaines, sur le meilleur comportement des pêcheurs. Enfin, je crois qu'ils se sont rendus compte quand même qu'il y avait un milieu à préserver et qu'on pouvait pêcher et se faire plaisir sans tout abîmer, quoi. Donc ça, c'est bien rentré dans les mœurs. Là, il y a une petite limace de mer qui est sympa aussi. Ce qui est fou, c'est que sur un tout petit périmètre, ça fourmille de vie, en fait. On a une zone ici dans le nord de l'île de l'Héron, à Chassiron, qu'on a préservée spécialement pour les études biologiques, où on dépasse les 300 espèces sur un mètre carré. Quoi. On continue? Ouais, super. En France, il y aurait environ 2 millions de pêcheurs à pied, autant que le nombre de licenciés en football. Des amateurs qui peuvent, sans le savoir, faire d'énormes dégâts. Quand on a démarré, on avait un gros souci avec les pêcheurs de crabes qui avaient tendance à laisser derrière eux les rochers renversés. Les rochers d'estran. C'est-à-dire qu'un pêcheur de crabe, il s'y prend comment? Voilà, ben il va regarder par exemple sous ce rocher s'il y a un crabe. Ouais. Et malheureusement, dans beaucoup de cas, il va le laisser à l'envers comme ça. C'est-à-dire que sur une pierre comme ça, moyenne, il y a à peu près 80 espèces. Ne pas remettre la pierre en place, en fait, c'est bouleverser le milieu et empêcher que la vie continue à se développer. C'est à peu près 50 à 75% de la biodiversité qui est sur la pierre qui disparaît. Vous avez une idée du nombre de pierres retournées? Oui, on avait fait ce calcul. En cours, on arrivait à un chiffre de 4 millions de rochers renversés sur l'île de l'Héron chaque année. Donc c'est un gros impact. Et donc on a fait tout un effort pédagogique vis-à-vis de ces publics-là, par tout moyen, encore une fois. Et puis on a réussi quand même, je pense, là-dessus. Ah, c'est un bel exemple pour moi de travail associatif parce qu'en 10 ans, on a réussi presque à faire disparaître ce comportement. C'est-à-dire qu'on a presque plus de pêcheurs à pied de crabes qui laissent les rochers derrière eux à l'envers maintenant. Wow. Donc on a retrouvé de beaux estrans rocheux, plein d'algues, voilà, vivants, et puis des gens qui sont tout aussi heureux de pêcher mais qui détruisent plus l'environnement. Ce qui prouve en fait que c'était souvent de la méconnaissance et que le savoir que vous apportez, bah, ça aide les gens à mieux pratiquer. Avec 5 salariés et plus de 200 bénévoles, l'association IOD est devenue une référence nationale. Elle propose son expertise à 400 structures, comme le Conservatoire du Littoral ou l'IFREMER. Son credo, les actions de terrain qui impliquent tout le monde. Tu m'as fait ramasser ces drôles de choses. Je connais pas. En fait, pour moi, c'est des algues. Qu'est-ce que c'est exactement, Jean-Baptiste? C'est vrai que ça ressemble beaucoup à la texture des algues, sauf que c'est les capsules des œufs de raies, des poissons,
qui, au lieu de pondre des millions d'œufs comme ça, un peu en vrac, pondent des œufs individuels dans des capsules comme ça, protégées. Donc c'est collé au fond de la mer. Et là-dedans, il y a un œuf qui va se transformer en petit poisson et qui va finir par sortir. Et à un moment donné, la capsule, elle arrive sur la plage. Et c'est là qu'on intervient pour les ramasser et les étudier. Ah, il y a Cécilia et Nathan qui font partie de l'association, qui était en train de regarder ce bac de collecte. Pourquoi tu demandes aux gens de ramasser ces capsules d'œufs de raie et de venir les déposer? Ça, c'est un programme de science participative. C'est-à-dire que chacun peut être scientifique, finalement, en se promenant sur les plages et en contribuant à la récolte. Donc soit en mettant la récolte dans un sac avec la date et le lieu, s'il nous faut ces informations, soit depuis quelques mois, on a la commune de Saint-Georges qui a installé des bacs spécifiques sur 4 plages ici de l'Ouest pour que les gens puissent directement déposer les capsules qu'ils ont trouvées sur la plage dans le bac. Alors c'est quoi l'intérêt? Alors l'intérêt, c'est qu'on peut avoir des informations sur les espèces de raies qui sont présentes, sur les dates à laquelle elles se reproduisent, sur les lieux de ponte également. Dans 90% des cas, ces capsules sont vides. Mais il arrive parfois que le bébé raie soit encore dans sa protection. On peut le voir, elles sont relativement gonflées et dans celle-ci, on va justement pouvoir voir qu'il y a une petite raie en fait qui est à l'intérieur. Donc peut-être que par transparence, on peut voir, donc faut pas trop appuyer dessus parce que en fait, oui. La petite raie est fragile. Là, il y a peut-être une petite raie dedans. Oui, mais comment tu peux être sûr de ça? Là, on peut le voir déjà. On voit la petite bête qui est à l'intérieur par transparence. Il faut manipuler avec précaution parce qu'elles sont fragiles encore à cet âge-là, et elles ont une petite poche, en fait, donc une poche vitaline qui leur permet de se nourrir à l'intérieur de la capsule. Et une fois qu'elles ont terminé de se nourrir de cette petite poche, elles vont pouvoir sortir de la capsule et ensuite commencer à chasser dans le milieu naturel. Quand vous découvrez qu'il y a un petit embryon, qu'est-ce que vous faites ? On essaye de le sauver principalement, c'est-à-dire qu'on va certainement regarder dans quel état il est. En ouvrant la capsule, on va regarder déjà s'il bouge. Et s'il a encore de la réserve d'œuf, tu vois, il bouge légèrement. Et effectivement, il y a cette réserve d'œuf qui est présente, cet œuf jaune. Et ça, si on le relâchait comme ça directement, il risque de s'arracher, de se l'abîmer. Ouais. Et donc, on va le remettre dans de l'eau de mer. Et là, on va la garder ensuite en aquarium chez nous, là, au bureau, pour qu'elle finisse son développement. Et tu la laisses du coup dans... Ah non, tu la sors de sa capsule carrément. Ah oui, oui, oui. Waouh, c'est presque une petite et naissance. Voilà, c'est peut-être un accouchement. C'est beau. Donc on en profite évidemment pour étudier à quel stade elle est quand on la trouve. On fait des petites mesures de temps en temps sans trop l'embêter. Et puis quand on la relâche un peu plus tard, eh bien on va mesurer aussi quelle taille elle a pris, en combien de temps. Et du coup, on arrive à avoir comme ça des informations sur comment se passe le développement des juvéniles de raies. Alors ça, c'est quelle variété ? C'est une raie brunette. Raie brunette. Un grand moment pour la petite raie, tu vois. Donc au bout de quelques semaines, elle n'a plus sa petite réserve d'œuf. Donc ça, c'est une raie que vous avez récupérée il y a combien de temps? Il y a à peu près 3 semaines. Ouais. On peut la relâcher, là, elle est en sécurité. Hop, et voilà. Waouh! C'est une raie sauvée, ça pourrait presque paraître, pas dérisoire, mais très peu, mais c'est une raie sauvée. C'est à peu près la 15e raie qu'on arrive à sauver comme ça. C'est vrai que c'est un plaisir. Moi, je voudrais te tirer un grand coup de chapeau, et puis à tous les gens de l'association, parce que souvent, on se demande qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien pour le développement durable. C'est des choses simples, mais d'une efficacité incroyable. Et vraiment, chapeau bas, quoi. Super. Ben, merci. Vraiment. Et puis en plus, il y a une petite raie, merci voilà. Beaucoup. Sauvée. C'est vrai que ça fait plaisir. Ouais. En Nouvelle-Aquitaine.